Un homme, maintenu à même le sol, pendant près de 8 minutes suffoque, la nuque écrasée par le genou d'un bad cop, I can't breathe. L'image choque. Les rues du monde entier se noircissent de monde, point levé. Pas de justice, pas de paix. No justice, no peace. Pas de justice, pas de paix. Est-ce que les forces de l'ordre déshabillent leur humanité lorsqu'ils s'habillent de leur uniforme? Lorsque leur matraque cogne aveuglément, leur LBD éborgne, femmes, hommes, jeunes, seniors, indifféremment. Que Dame Justice retire son bandeau, sa balance croule sous le poids d'accablantes vidéos. Faut-il qu'on floute les visages? Ok. Dans ce cas, que chaque flic arbore son matricule bien visible tel un dossard floqué. Le papillon a pris sa retraite. L'effet pangolin a pris la relève, déclare la pandémie et le globe s'arrête. Notre quotidien sclérosé par la peur, notre vie sous l'hypnose sanitaire. Restez chez vous, restez chez vous, stay home. Portez vos masques, portez vos masques, mask on. Des millions de cas, des millions de morts, des millions de morts, des millions de cas, des millions de cas, des millions de morts. Restez chez vous. Marre de pseudo-intellectuel qui éructe ces mots de haine, choc des civilisations, grand remplacement, encore la même rengaine. On ne sait plus si on doit se serrer la main, se check du poing ou se check du coude, garder distance d'un mètre, comment fait-on sur la ligne 13 du coup? Tu es libre de penser tant que tu penses comme il te le dit. Avoir l'esprit critique, penser par soi-même est un crime. Soit tu es d'accord et la ferme, soit tu es complotiste cloué au pilori. Ce monde perd la tête sans être prof d'histoire. Et si on n'y trouve pas assez d'amour, ne serait-ce qu'un peu d'empathie suffira. Votre Excellence, j'entends bien qu'il faille enfourcher le tigre, mais quelle place accordez-vous à l'art? Quelle place accordez-vous à l'artiste? Est-ce simple saltimbanque qui divertit, produit périssable au gré des modes ou témoin de son époque par qui le patrimoine rayonne chaque fois que son art vit? Et je ne doute des tâches qui vous incombent, j'en ai la pleine mesure. Mais une nation qui méprise la culture n'a de grand que la prétention avec laquelle elle fonce droit dans le mur.